L'objectif, c'est de rapprocher donc les soins des populations les plus vulnérables. Voilà pourquoi ce sont des cliniques mobiles qui seront dans toutes les régions du Burkina Faso. Et c'est ça la vision, c'est de pouvoir donner la santé aux Burkinabés où qu'ils soient. C'est d'abord un message de gratitude, de reconnaissance à l'endroit de son Excellence le Président du Faso, chef de l'État, parce qu'il s'agit véritablement d'une décision gouvernementale de haute portée. Le chef de l'État vous l'a dit tout à l'heure, c'est plus de 2000 équipements de chaînes de froid qui vont venir faire en sorte que les vaccins puissent être conservés dans de très bonnes conditions, cela au profit de millions d'enfants et de femmes de notre pays. C'est aussi des véhicules de supervision qui vont permettre aux directeurs régionaux de la santé, aux médecins chefs de district, de se projeter sur le terrain et de s'assurer que les activités de vaccination, les activités de santé de façon générale sont mises en œuvre. Et je voudrais dire que c'est autour de 14 milliards de francs CFA qui ont été investis pour faire en sorte qu'aucune formation sanitaire du Burkina ne manque d'équipement de chaîne de froid. Alors pour ce qui concerne les cliniques mobiles, le chef de l'État encore une fois l'a dit, son créneau c'est de faire en sorte que tous les Burkinabés, notamment le Burkinabé lambda, puisse disposer de soins de santé. Et là, ça va être une magie de faire en sorte que, effectivement, jusque dans les plus petits hameaux de culture, les femmes du Burkina puissent bénéficier de mammographies, d'examens en fait, du col pour détecter les lésions précancéreuses. Donc je voudrais, à la suite du chef de l'État, faire une emphase à sa déclaration et appeler les populations à utiliser de façon rationnelle ces équipements, aux prestataires de santé de mettre le sien pour que tous les Burkinabés puissent disposer de ces soins. C'est vraiment un grand jour pour le système de santé.